La tour. La belle et la belle. Hein, première fois. Coupé. Une minute. Parce que les féministes couchaient avec des femmes qu'elles étaient d'accord pour qu'il y ait une politique lesbienne. Et d'ailleurs, Wittig elle-même travaillait avec la catégorie de sexe, pas avec la catégorie de genre. Et alors, vous pourriez me dire aussi, mais c'est même pas les féministes qui ont commencé à déconstruire le genre. On sait très bien... Écoutez-moi. Non, Avenant, ne m'en parlez plus. C'est inutile. Je vous déplais. Non, Avenant. Alors, je veux rester fille. Et vivre avec mon père. Vous êtes là, et moi je suis ici. Mais avez-vous déjà considéré que votre là est mon ici, et que mon ici est votre là-bas? Et si vous venez à mi-chemin de mon ici à partir de votre là, ou que si vous allez à mi-chemin à partir de votre ici, vers mon là, ou que moi j'aille de mon là à votre ici, est-ce que nous allons nous rencontrer? Culture. Il y a donc des pays sans lieu et des histoires sans chronologie. Des cités, des planètes, des continents, des univers dont il serait bien impossible de relever la trace sur aucune carte ni dans aucun ciel, tout simplement parce qu'ils n'appartiennent à aucun espace. Qu'est-ce qui m'est déplaisant, ben, j'aime pas les frotteurs, déjà. Un chat passe son temps à se frotter contre vous. J'aime pas ça. Gilles Deleuze, bobine 2. Et ce chat, il est sur une table où il y a une raie donc qui est suspendue, où il y a des huîtres et puis je sais pas encore quoi à manger. Mais le chat, il a la patte sur les huîtres. C'est-à-dire l'objet particulièrement glissant et faisant particulièrement miroir. Et ce chat qui n'a qu'une envie, qui aurait été de se précipiter sur la nourriture, il est en arrêt.
il est en suspension. Autrement dit, moi, l'arrêt de Chardin, je l'écrirais L'A2RET. L'arrêt du chat. Bonjour, vous êtes au 70 17 54 45. Nous sommes absents pour l'instant. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça donne par rapport au modèle républicain français. Non, là, il y a quand même des choses concrètes qui se passent par rapport à la prostitution, par rapport aux travailleurs du sexe, par rapport au savoir, par rapport à la question des archives et tout ça. C'est tout ça, le mouvement queer. Après, il y a effectivement en Europe un fort mouvement anarcho-queer. Là, je suis avec le magazine Suisse 360 degrés, je vais y arriver, où il y a un article. Celui qui veut plus généralement encore un résultat, séance tenante, et ou qui veut le but en sautant à pieds joints, par-dessus des obstacles qu'il sait qu'il ne pourra franchir, et par-dessus, et, indépendamment des moyens qui rendraient ce but accessible, en réalité fait semblant de vouloir. Il joue la comédie de la volonté. En réalité, il veut tout autre chose, et probablement, il veut obscurément l'échec. Ou bien, ce vouloir est simplement un vœu platonique, un pieux optatif, si on peut dire, quand ce n'est pas la subvolonté du contraire. Nous avons tous connu, quelquefois, des amoureux un peu suspects, qui étaient en apparence amoureux, et qui s'arrangeaient, se mettaient dans une situation telle qu'ils devaient rater leur rendez-vous, par exemple, n'est-ce pas ? Flouée, elle a consacré toute sa vie, abandonnée. Voilà, et voilà qu'au moment où elle est devenue un déchet, en quelque sorte. Voilà, jeune. Elle est choisie parce qu'elle est moins lourde du point de vue, pas du poids, mais du point de vue du poids phallique. Les femmes, du fait de la montée de libido, n'oublions pas,